Alors, c'est une crêpe donc, au poireau. Ouais. Et poisson. D'accord. Garni de poivrons et échalotes. Voilà, les poivrons, ça fait revenir avant. Ah. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Voilà, parce que moi-même, je suis boulanger. Et boulanger, ouais. Ça fait passer, depuis 98, je fais ça. Ouais. Et je voudrais passer à autre chose, quoi. Ouais. Et tiens, je dis pourquoi pas la crêpe. Et franchement, ouais, ça me donne beaucoup d'idées. Et je pense que. Ouais. Sachant, Mustapha nous en parlera certainement aussi, que. À prime abord, ça ne repose pas forcément sur le sarrasin. Je vais me tromper, mais je ne pense pas que le sarrasin va faire un carton comme Saint-Nazaire ou Finistère ou je ne sais pas quoi. Ouais, ouais. Mais je pars plutôt pour des crêpes, ouais. Et du froment, quoi. Et franchement, ça, c'est pas mal. Franchement, ouais. Moi qui est assez, comment dirais-je, assez à palais très fin, entre parenthèses. Ouais, ouais. J'étais vraiment... Oui, parce que tu es gourmet, toi. Ouais, ouais. Franchement, ouais. J'ai très très bien aimé les crêpes héroïques. Hein. Faut pas hésiter. Toujours payé. Le sarrasin, j'entendais parler. Ouais. Mais jamais. Voilà, c'est blé noir, sarrasin. Entendu parler, mais jamais goûté. Jamais goûté. Bon, le seul sarrasin que j'ai entendu, c'était dans les visiteurs. Voilà. Donc. Ah, c'est vrai que très le sarrasin. Le gars il se tire comme ça, mais c'est la seule chose que j'ai entendu d'ailleurs. C'est marrant, j'y pensais. Donc. Et pareil, comme Aziz, dans le secteur où je suis, donc l'Est, et le sarrasin, pour ma part. Oui, t'es en Franche-Comté, Besançon. Voilà, Vesoul. Vesoul, pardon. Vesoul, ouais. Donc, c'est. Il y aura peut-être les anciens qui pourraient. L'adopter, ouais. Mais les jeunes, je pense que ça passera pas. Ouais. Ou alors, donc, comme on disait, le mix, faire un mix pour le salé et le froment seul pour le sucré, quoi. Mais quand vous avez décidé de faire cette formation-là, est-ce que vous aviez déjà un a priori sur la manière de se passer et comment vous avez vécu ces trois journées-là? Moi, pour ma part, Quand je t'ai eu au téléphone déjà, je savais qu'on allait, voilà, on s'était déjà d'office entendu au téléphone par rapport à notre façon de communiquer, à ta façon de communiquer. Donc, je n'avais pas d'a priori vis-à-vis de toi déjà. Et puis, moi, c'était plus par rapport au groupe qu'il pourrait y avoir. Ouais. Parce que, voilà, les gens, tu ne les connais pas forcément. Oui, bien sûr. Chacun sa mentalité. Donc, après, voilà, mais... Mais maintenant, on est en petit comité en même temps. Oui, petit comité. Bah, ça n'empêche pas. Mais bon, très bien, ça s'est très bien passé. Quand on fait des connaissances comme ça de personnes qu'on ne connaît pas, bon, bah, ça, voilà, c'est enrichissant. Ouais. On peut évoquer, pas Laurence, j'ai appelé Laurence tout le temps, Nat, Nathalie. Qui est crépière de son métier, on dira pas où, mais qui est venu chercher de l'amélioration, des idées nouvelles, un autre regard sur les crêpes et les galettes. Mm-hmm. Hein. Bah, là, qui est partie parce qu'elle avait quelques justement impératifs de métier. Bon feeling. Vous connaissiez pas avant, de toute façon, c'est clair. Non, on ne connaît pas du tout. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Voilà. Mais. Bien, là. Mais voilà, Lyon, ouais. Et si tu me vois dehors, tu me dis pas bonjour, je te hors de question. Mais voilà, donc est-ce que parmi ces trois jours, il y a des points clés que vous retenez, quelles idées ça vous a donné ou Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a donné beaucoup d'idées quand je t'ai vu cuisiner, quand tu m'as montré. Je suis plutôt moi observateur. J'observe. D'ailleurs, un très bon caramel. Ça, c'est. Ah, ben ça on rigole pas avec ça. Ah, non, faut pas déconner avec ça. Voilà. Franchement, je suis prêt à tout casser, moi, pour ça. Hein. Je dis. Et non, j'ai appris beaucoup de choses. Et franchement, rien que pour le fun, je reviendrai. Quoi. Ouais. Ouais, je reviendrai. Ouais. Donc, en fait, je suis pas assez cher. Ça, je parlerai pas dans la. Tu sais, pas assez cher, mon fils. Voilà, c'est vraiment pas assez cher. On parle pas d'argent dans les vidéos. Non, on parle pas d'argent dans les vidéos. Mais franchement, par rapport à. On dira pas qu'il nous aura raquetté 30 000 euros. Moi, ce que je dirais au futur formé,
c'est vrai que tu dis, ouais, c'est un prix, ceci, cela, mais franchement, tu ne vas pas être déçu. Ouais, franchement, je te dis, tu ne vas pas être déçu, mais à 3000%, tu ne vas pas être déçu. En plus, je fais un petit coup de pub pour Saint-Nazaire, c'est très, très beau. C'est, je fais tous les soirs à la plage, là, c'est très, très beau. Et tu ne vas pas être déçu, mais une chose, c'est que tu ne vas pas être déçu d'abord par le formateur. Je ne faillote pas. Je suis sincère. Ouais. Et essayer Patrick, c'est l'adopter, franchement. Oui, mais en tout bien, tout honneur, hein. Ouais, c'est ça d'adopter. Oui, ça c'est clair. Mesure tes mots. Je pense qu'ils auront compris. Non, mais il est évident, voilà. Non, mais moi, on va pas en faire une litanie non plus, mais moi, je vais vous souhaiter que de bonnes choses, sachant, comme je le dis à chaque fois, que mon SAV il reste ouvert. Donc, ça veut dire que, voilà. Aujourd'hui, vous avez capté, au bout de ces 3 jours, vous avez capté des idées, des trucs, des astuces, des petites méthodes. Hein, comme tu l'as souligné, Aziz, dans nos discussions, moi, je fais une seule promesse, c'est qu'on ne vient pas crépier en 3 jours, ça, mais qu'il faut un peu d'expérience. Mm-hmm. Mais maintenant, vous avez une base riche pour démarrer des trucs. Donc, moi, la seule chose que je vais vous souhaiter, et, comme à tous les autres, mais à vous en particulier cette fois-ci, c'est... on a assez discuté, c'est aller au bout de ses projets, de ses rêves, et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à. Il y a des questions matérielles ou simplement techniques. Vous avez vu, aujourd'hui, on a recherché, mais tout un tas de types de recettes, de crêpes, etc. Comment on les fait à trous, pas à trous, etc. Mais c'est ça qui est passionnant. Et ça, on ne peut pas le vivre à 10 ou 15 dans une même salle. Quand on a de l'imagination, on peut tout inventer. Tout avoir et la dernière chose, coup de poignet, attention. Hop. Ouais. Pour avoir le poignet souple. Voilà. Et quand on est gaucher, il faut tourner dans le bon sens. Tourner dans le bon sens, ouais, c'est clair. Ça, c'est un petit clin d'œil à notre ami Ned. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time.